reprendre sa journée en force avant mort. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai écrit dans le titre que c'est la fin du blog. Parce que c'est la fin du blog tel qu'on le connaît. Je vous explique ça plus tard. On va mettre un chandail et on s'en va à la plage. Hey, on est arrivé à la plage! Enfin! La plage n'est pas aussi belle qu'à Kuta, à Lombok, mais ça reste une plage, hein? Je me plaindrai pas. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête les vlogs. En fait, j'arrête pas le vlog complètement, j'arrête de filmer à chaque jour. Parce que là, j'ai remarqué, regardez, j'ai filmé pendant plus de 30 jours consécutifs. Et à un moment donné, ça devient redondant voir les mêmes choses. Pour moi, est-ce que j'aime pas ça, faire les mêmes choses? Peut-être que vous aimez ça, j'ai aucune idée, mais je le fais pour moi. Donc, je veux vraiment m'améliorer, je veux monter le niveau de montage d'un cran et encore, je veux vraiment devenir bon dans ce que je fais. J'adore ce que je fais, mais je veux être encore meilleur. Puis on dirait que quand je fais les mêmes vlogs tout le temps, un après l'autre, ça devient ennuyant pour moi. J'ai décidé pour le 51e vlog de tout simplement changer la recette, changer complètement ce que je fais. Je vais mettre de la nouvelle musique. Je vais mettre une nouvelle intro, une nouvelle fin. Tout va être complètement différent. Je veux me créer une recette qui va être la recette du succès pour les vlogs. Je suis en train de travailler ça. Donc pour les prochains vlogs, vous allez avoir encore des changements. L'intro n'est pas encore faite, la nouvelle. Mais je veux vraiment monter mon niveau. Vous allez voir, ça va être fou. Surtout avec la nouvelle caméra que j'ai, les vidéos sont écœurantes. J'adore. Et là, il faudrait que je change cette caméra-là que je filme. Parce que la qualité dans le soir ou quand je filme pour parler, c'est vraiment pas bon. Mais bon, pour le moment, ça va faire. Et je veux mettre aussi plus d'entrée dans mes vidéos, plus d'énergie. Je suis quelqu'un très énergique dans la vie, puis on dirait que dans mes vidéos, je le voyais, des fois j'étais moins énergique, des fois plus. C'est pour ça que je veux pas filmer à chaque jour. Je veux filmer vraiment lorsque j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie pour que je donne le plus de moi et que je sois capable de vous divertir. Mon but, j'ai deux buts précis. Vous motiver et vous divertir. Vous sortir de votre zone de votre quotidien avec mes vidéos. J'espère que ça fonctionne. Et motiver, parce que je veux motiver les gens à voyager plus. Je trouve que voyage, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu tellement de choses. Là, je pense qu'on va changer d'endroit parce qu'il commence à chanter hyper fort. Je sais pas si vous l'entendez, mais on va retourner à la cabane. Je vais retirer l'argent, ensuite on retourne à la chambre, puis on va continuer la conversation que j'ai avec vous. Je pense pas faire quelque chose de fou, donc on va juste s'en aller maintenant à la chambre. On est de retour à la chambre. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que j'ai trois raisons pourquoi j'ai commencé à vlogger. Un, pour mes souvenirs. En fait, c'est vraiment la raison numéro un pourquoi je fais des vlogs. C'est parce que c'est tellement beau de voir le cheminement que je fais. À chaque jour, j'en apprends. À chaque jour, je grandis dans mon voyage. Je trouve ça extraordinaire. Puis j'ai hâte de regarder ça dans 5 ans, 10 ans, peu importe le nombre d'années. Ça va être toujours extraordinaire de voir ces vidéos-là. Et raison numéro 2, comme je disais, c'est d'inspirer les gens à voyager. Parce que le voyage, là, quand je suis parti, je trouvais que c'était quelque chose qui était impressionnant, qui faisait peur. Ma bowling, ça va faire plus d'un mois maintenant, puis c'est tellement facile. Je vous dis, si vous hésitez juste un petit peu à quitter votre emploi pour voyager, moi je vous conseille de le faire, vous allez grandir. J'ai tellement, mais tellement appris. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, mais je vais toujours être reconnaissant
de ce que la vie m'a apporté jusqu'à maintenant. Et la raison numéro 3, le divertissement. J'aime divertir des gens, je suis quelqu'un... J'essaie d'être drôle, peut-être que je suis pas drôle, mais peu importe. J'essaie d'être drôle le plus possible, j'essaie d'être pas nécessairement le centre d'attention, mais... Exemple, dans un groupe d'amis où c'est plate, ben, j'aime ça mettre la petite flamme qu'il y a de plus pour mettre de l'entrain. Puis ça donne toujours des soirées assez pigmentées. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vlogger ces trois raisons-là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si je suis capable de vivre de ça, j'adorerais ça. C'est pour ça que je veux en apprendre le plus possible. Je veux vlogger le moins possible. En fait, c'est pas vrai. Je veux vlogger le plus possible avec la qualité. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, présentement, j'ai fait ce qu'on appelle du color grading. C'est que l'image... parce qu'avant, il y avait beaucoup de variations, exemple entre l'ombre, l'ombrage, l'éclairage et tout, c'était toujours différent. Là, j'essaie de que ça soit le plus uniforme que possible pour rendre ça le plus attrayant pour l'œil et pour que vous partagiez ces vidéos. Je veux que vous partagiez, je veux que vous vous abonnez à mon vidéo. Je mets énormément d'efforts dans mes vidéos et j'adore ça. Et, écoutez, je le fais gratuitement. C'est sûr que si un jour, comme je dis, je suis capable de vivre de ça, j'adorerais ça. Donc là, je vais vous dire au revoir. En fait, au revoir oui et non. Je vais, ce soir, encore le jour, je vais aller filmer dans la ville pour, avec la nouvelle caméra, filmer le plus possible, essayer des nouveaux trucs pour le mettre dans la vidéo, pour vous montrer un peu ce que je suis capable de faire. Donc si jamais vous tombez sur ma chaîne, vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant, vous allez voir, c'est ça que je vais essayer de faire à chaque jour. En fait, je vais pas essayer, je vais le faire, parce qu'il faut le faire. Donc, je vais vous dire au revoir tout de suite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, même si c'était très bref et court. Mais, on commence maintenant dans une nouvelle aventure, et j'espère que vous allez me suivre. Alors, au revoir la gang, et ciao! It doesn't make us strong, it doesn't make us weak. Tongue tied to service like shark free.